Re-YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as appris le temps de faire une petite pause entre les différentes VOD de ce jeu magnifique qu'est Horizon. Hop, et là on va aller chercher le petit Projo, on a un petit Projo ici. Le problème est que le feu de camp le plus proche, il est un peu à perpète quoi. Mais on va y aller tout en courant, allez. Pose plus de questions là, vous avez vu. Maintenant je... Oh ça va. Regardez, ça, il n'y a pas besoin de... d'aller s'attaquer au machin là. On va aller gravir la montagne. Mais Blackie est parfaite, on peut pas s'en prendre à elle, bah si. Si si justement, parce que nous, nous pauvres mortels, nous sommes imparfaits, alors que Blackie ne l'est pas, et je trouve ça totalement injuste. Et oui. Donc, huyons. Huyons Blackie, de sa perfection. Non mais la blague! Ils me font le coup à chaque fois, quoi. Allez, recharge. Recharge. L'autre, il me voit, mais il dit rien à ses potes, quoi. Oh là là, il a évité. Bon, lui, je vais essayer de l'avoir... Non mais j'y arrive mieux quand je mets pas le ralenti quoi. Non mais regardez ça! Quand je mets pas le... J'y arrive mieux quoi. Je suis en être parfaite Johanna tu sais. C'est faux Blackie, arrête. C'est juste... Tu es trop humble. Ce qui, voilà, ce qui confirme le fait que tu sois parfaite. Ah bah y'a un feu de camp ici. Donc on va évidemment en profiter. Feu de camp avec une caisse à côté. On est toutes, tous parfaites. Parfaitement imparfaits. Et c'est parfait comme ça. Si j'étais parfaite, qu'est-ce qu'on se serait chié avec moi? Pas du tout. Pourquoi la perfection ça serait chiant? Justement quelqu'un de parfait ça peut être quelqu'un d'excellemment drôle par exemple. Ça ferait partie des critères de perfection, d'être drôle. De penser aux autres, enfin voilà non il y a... Non. En fait non quoi. Quand on dit que la perfection c'est chiant alors que pas du tout quoi. Des veilleurs. Comment ça se fait qu'il y en a jusqu'ici? C'est vrai, je me pose la question aussi. Alors, est-ce que je fais en sorte de les sortir un peu de leur repère là, les... Voilà, un veilleur, on s'en fout. Un tracker là-bas.
un autre tracker là-bas. Déjà, on va faire un truc. On va prendre nos petites flèches là. Regardez-le comment il se barre ce chien galeux là. Merde, oh là là, tellement à côté. Ok, bon ça c'est fait. J'en ai déjà tué quelques-uns. Ensuite. On replante une flèche ou nette normale. Alors dis, regarde ton piège là. Non, regarde ton piège là. Non, regarde ton piège là. Je le déclenche. Viens. Viens me chercher. A priori, ils veulent plus venir me chercher. Ah bah ouais, bah super, oh super. Oh bah merci le jeu hein. Putain le jeu de merde. Non mais regardez ça, ils font exprès. Regardez, non mais regardez ça, c'est dégueulasse. Sur la cible. Reviens. Oh mais ils vont trop vite quoi. Attendez. Oh c'est chiant hein.
Dommage. On voit vraiment rien là. Non mais est-ce que je vais m'emmerder pendant des heures juste parce qu'il y a trois connards? A priori oui. Arrête la pluie. Est-ce que la pluie pourrait s'arrêter? Dans Breath of the Wild, on voit quand est-ce que la pluie s'arrête. Hein. Je veux pas dire que Breath of the Wild est un meilleur jeu, mais... on voit quand la pluie s'arrête. Hein. Ouais, et puis j'ai pas de flèche... j'ai pas de flèche avec une AOE, quoi. Loin là. Breath of the Wild, un meilleur jeu de toute façon. Par contre, toi, tu vas te taire. Par contre, toi, tu vas te taire tout de suite. Et vas-y, je me casse par là. Voilà qu'il me chasse. Oh non, hein! Je les vois mieux de ce côté-là, non? Ça y est, je vais pouvoir filer. Oui! J'ai réussi! Merci, Aloy. La terre a soif de pluie, moi pas trop. Ouais, on est d'accord, hein. C'est vraiment pas tombé au bon moment. Hein. Ok, je suis là, c'est cool, il y a le feu de camp. Ils sont encore là, les enfoirés, là. Il y en a encore un qui est là, là. Non ! Alors, il te casse pas les jambes. Ah, là j'ai une meilleure vue sur les petits bâtards. Attendez. Tac, un petit coup d'électricité dans son cul à lui là. Puis derrière. Une petite attaque qui va bien. Putain, il se barre mais direct hein. Vous avez vu? Ils ont peur, hein. Ah ça, quand ils ont plus le camouflage, ça, ils font plus leur malin, hein. Ouais, tiens. Bon, t'es un peu... Joue mieux. Joue mieux. Voilà. Ils sont barrés là-bas, quoi. Ah ça, quand ça joue sans le camouflage optique, il n'y a plus personne. Hein. Il est où? Ah, il est là. Pourquoi je vois pas leur vie? Je sais pas. Bon.
Et si on disait qu'on leur a fait peur et qu'on s'en fout? Pratique. Alors j'ai eu le feu de camp. Quoi? Ah, il est là. Coucou Bibi. Quel langage fleuri? C'est ça. C'est tout moi. Aloy, c'est un cabri en fait. Ah bah. J'aimerais bien savoir quoi. Quoi? Quelle mèche? Je sais pas ce qu'il y a à défendre, mais bordel. Il y a combien là? Ah, il y a un ravageur. Des piou-piou. Non, mais on va les sauvegarder avant. Soyons pas cons. Première étape, sauvegardage. Voilà, bah, bonne idée. Alors, tac. Qu'est-ce que tu me fais? Ah non. Merde. Merde, il s'est barré. Oh merde, le con, il s'est barré. Oh non, 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 toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? Regardez, là, regardez, il y a un trou. Est-ce que je peux déglinguer le ravageur? Oui! Une blague. Mais c'est une blague. Oh, le jeu qui me troll quoi. T'as bien pris dans ta mouille là. Salut! Super, super, super. Je suis pas vénère. Hein. Merde, 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 merde. Oh là là, mais pourquoi il fait ça, lui? Ah mais je vais pas décrocher son machin. Ah merde. Oh là 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 là. Bon, ça marche pas. Super.
Allez. Voilà. Putain, hein, les autres qui me défoncent là. Oh là là, ça m'énerve. Putain, les piafs quoi. Merde, 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 merde. Allez, déjà, toi en moi. Alors, les piafs. C'est le piaf. Ah ! Mais Louis, t'es pas mort, lui ! Oh, mais toi, tu as crevé ? Non, mais c'est le petit merdeux qui va me faire chier. Ouais, mange ça. Quand il bouge. J'adore. Ça se passe trop bien. Oh, c'est à côté. Oh, j'ai miss. Voilà. Le petit dernier emmerdeur là. Allez, tout le monde dégage. Ouf, bah ils vont bien saouler. Hein. On va voir un troll qui passe là, ça faisait longtemps que j'ai rien ban, ça me manque. Je vois ça, mais c'est vrai qu'en ce moment t'as l'air au taquet, t'as l'air vénère. T'as envie de ban quelqu'un, mais personne ne veut se faire ban. Et j'ai l'impression que les deux sont liés en fait. C'est que vu que t'es à donf là, personne ose raconter de conneries. Ah, j'ai un moustique. Je viens de me mettre une grosse mandale en fait. Eh, c'est moi qui bat. Ah, ils vont se battre en plus. En plus, et s'il y a un troll, t'es même pas sûr, Genius, que ça soit toi qui ban. Parce que Bibi, quoi. J'ai déjà trop de choses. C'est pas grave. Ah, mais voilà, le truc de ravageur, il est là. Mais pourquoi il est parti si loin, le truc de ravageur, sans déconner? Canon de ravageur, mais pourquoi il est... Hein? J'ai aucune idée de pourquoi il est si loin. C'est assez chelou. Ah. Oh non, me dis pas qu'il va y avoir un gros combat encore là. Non.
commence à penser que je me suis aventurée où je ne devais pas. Une vraie manie. Sauf que cette fois, je vais devoir affronter bien pire que les matriarches. Il est où? Ah, il était juste au-dessus! What? Allez, vise, 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 vise. Merde, putain, il bouge à ce moment-là, quoi. Ouais. Oh, on peut le pirater ? Ça a pas marché ? À côté là. À l'œil. Cours, 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 cours. Go, go, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller. Non, finalement, tu peux pas y aller. Comment ça? Salaud. Allez, fonce! Bah du coup on va lui casser la gueule hein, parce que... Oh, si j'y arrive. Merde, oh, je mise tout. Quel monstre. Pourquoi une machine pareille serait montée jusqu'ici? Ok, bon. Chez les curieux comme moi de découvrir quelque chose, j'imagine. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ouh. Bah j'espère aussi. Et du coup, je me demande vraiment ce que je vais trouver là-haut parce que... Parce que c'est étrange quoi, en fait, tout simplement. Grimper par là, j'y crois moyen, mais...
Il y avait des trucs exprès. Oh, avec quelle grâce ça nous fait ça? Ok, trois trolls alors, un chacune. Face ban entre modo, Bibi. Ce serait rigolo qu'il y ait des. C'est déjà plein. Qu'il y ait des trucs comme les. Comme les batailles dans l'ouest américain de fusil, les batailles de modo. C'est celui qui banne les autres qui gagne. Pèlerinage apocalyptique. Parce qu'on va tous mourir. Bon, on continue de monter. En plus, le temps a l'air de se calmer, donc... on va en profiter, quoi. Quand je disais que le temps avait l'air de se calmer, je me suis peut-être un peu trompé quoi. Oh, l'eau elle doit être glaciale et elle rentre là-dedans, elle comme ça, hein, sans se poser de questions. J'en aurais sûrement besoin. Moi je le ferai pas. Hein. Une Stargate ? Sans blague, il y a une Stargate. Regardez. Regardez, ça se calme, on va enfin pouvoir voir quelque chose. J'ai froid. Tu t'en vas, Johanna? Au moment où je découvre quelque chose? Désolé, non mais y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Bah des bisous. Dors bien du coup. Quoi? Par là, on pourra redescendre, ok. Mais arrête. Qu'est-ce que je rate là?
Mais c'est où? Peut-être une connerie là. Attendez, j'arrive là? Faut aller juste au-dessus là. Attendez, on a. Attendez, mais je suis pas. Je suis complètement con ou. Ou je vois pas où faut s'agripper là? Oui, c'est pas sur la plateforme non plus là. Ouais, mais. Y a quelqu'un qui a une idée là ou pas? De me péter la tronche, nope. Le petit rebord là? Ça me paraît drôlement incongru. Ouais, non, il est complètement con. Putain, je suis pas arrivé là pour rien, quoi. Ça s'appelle comment? Je sais pas comment ça s'appelle. Bon déjà, regardez, les objets à collectionner, on a tout trouvé. Déjà, première bonne nouvelle. Mais là? Je suis quand même pas venu jusqu'ici pour rien quoi. Ou alors c'est dans l'autre sens. C'est parce qu'il y a une entrée ici. Et c'est pour aller plus... Mais non, non, ce serait complètement con. Enfin, je pense que ce serait con, mais... Que faire? Que faire? C'est quoi? Attendez, placer les marqueurs, les filtres... Ruine. Attendez, on va chercher. On va chercher. Horizon. Horizon. Zero down. Zero down d'ailleurs. Inaccessible. Ruins. North of Stormbird. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je peux pas accéder. Merde. Ça ouvre plus tard. Oh non! Oh non, ok, bon bah voilà, bon bah on sait. On sait, c'est normal, on peut pas y accéder. Y aura a priori une échelle qui apparaîtra plus tard dans le jeu.
Ouais, non, ça c'est le DLC. On va aller voir Neil. Neil. Neil est là. Je me suis tapé tout ça pour rien. A priori, les ennemis ne respawnent pas. A priori, le gros piaf ne reviendra pas. Neil, je me demandais en chemin... Quel intérêt à ça, un campement de bandits ordinaires. Alors, qu'est-ce que... Hein ? J'accepte le duel ? J'accepte pas le duel. Je suis... flatté que tu me trouves digne de toi, mais je veux pas te tuer. Réfléchis bien. La vie contre la mort. Chasseur contre chasseur. Ne me dis pas que ça te tente pas. C'est vraiment ce que tu veux, Neil. Je crois pas que t'aies envie de mourir. Tes envies sont plus discutables. Mais tu peux malgré tout être utile à ce monde. Je ne comprends pas. Je t'affronterai pas. C'est ma réponse. Tu peux la respecter ou me tirer une flèche dans le dos, comme tu veux. Sûrement pas. Tu viens de me frapper en plein cœur. C'est vrai que je t'ai laissé choisir. Et du coup, la quête avec Neil, c'est ok ? Ah bah oui. Et voilà, on l'a terminé. Ok. Et le soleil tombera. Ouais, on va faire celle-là, ouais. Hop. On va aller là. Ah, puis comme ça, on va pouvoir aller au... On va pouvoir aller aux vendeurs pour leur donner les mugs. Enfin, les mugs, c'est Daniel Jackson. Elle, c'est les statuettes de Banouk. Alors, te voilà de retour. Tu es prête ? Hop, ça c'est bon. Je peux lui vendre. C'est un autre voyageur. Étincelle, étincelle. On peut virer. Kittiner. Un petit tracker, ça je peux vendre. Tac, les poissons, la peau de rat. Ah, ça c'est les mêmes. Ouais. Ah, oh, les étincelles, mais j'en ai tué combien? Carapateur, haut de patte, coureux, charognard, les lentilles. Ah, le lapin. Pff, le renard. Ça y est, je commence à confondre mes animaux, là. Ça en vire. Ça en vire, bien évidemment. Ok. Donc, elle m'a donné son truc, là. Reviens me voir. Oh bah c'est tout. Les statuettes de Banouk, on a tout vendu. Hein. Toi, c'est les trucs chelous là que j'ai jamais compris à quoi ça servait là, son machin. Ensuite. Quoi ? Lui, c'est les boîtes au trésor, ok. Il est pas là, Daniel Jackson ? Hop, oui, on faut... commerce. Ah, j'avais déjà tout filé, lui. Je te laisse reprendre. Oui, tu sembles compétente. Ensuite. Les objets de chasse, c'est non. Les fleurs.
Approche, je te prie. Achète ce dont tu as besoin, et uniquement. Le monde peut bien attendre, j'ai pas encore envie de me relever. Ah mais je vais activer la quête là. Oh merde, attends, il y a ça. J'ai pas envie d'activer la quête principale, moi. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Fais le tour. Je suis vraiment en train de passer dans la maison. Putain, mais je suis paumé. Mais je dois dire que je commence à aller. J'ai les meilleures marchandises de la maison. Tu ne trouveras pas de meilleure qualité. Ok. Aurais-tu un moment pour parler de... Bah oui, j'ai envie de parler. Et j'ai même envie de commercer. Marchons donc un peu pour cette... Et donc je peux avoir celui-là. Hop là. Donc j'ai tout eu. Je suis toujours ravi de faire affaire. Les objets spéciaux, je les ai eus. Hop. À la prochaine fois. J'aimerais discuter avec toi. À la prochaine fois. Les boîtes au trésor, on s'en fout. Attendez, ça d'ailleurs on va le laisser par terre. Voilà, je jette. J'espère que vous avez apprécié le petit bruit. Mais non! Bonjour. J'ai besoin de vendre des trucs. Et là, je vais vendre tout le merdier que j'ai récupéré. Typiquement, par exemple, la tresse, là, c'est nul. C'est nul, c'est pas nul, mais on s'en fout. Mes armes. Pourquoi j'ai ça? Lance-corde, moi je veux le lance-corde de l'ombre. Pourquoi je l'ai gardé ça? Les tenues, pourquoi j'ai gardé ça? Je peux pas vendre. L'objet ne peut être vendu. D'accord. Les modifs, on a dit les vertes. Et les bleus, on vire. Pour ne garder que le violet. C'est parfait. Les pièges et potions, on va garder. Ici, j'ai déjà fait le tri, quoi. Ah, mais 118, oh là là. Eh, vivement que j'ai tout, en fait. Hein. Vivement que j'ai tout pour... Ah, mais les trucs d'animaux, ça se trouve, l'autre, il me vend des... Il me vend des peaux d'animaux. J'ai hâte de refaire... Discutons un peu. Capacité de stockage, il manque quoi? Il manque une peau de raton laveur. Et il y a un vendeur. Pièces de machine. Les boîtes mystères, les réceptacles. Les objets de chasse. Artefacts. Objets divers, les fleurs. Objets de chasse. Allez, une discussion colorée. Est-ce que je peux acheter une peau de raton, par exemple? À lui. Ressources. Mission. Ah tiens, j'ai pas pris mon échantillon.
Mais non, il n'y a pas... On peut pas acheter les peaux de raton, quoi. Et là, qu'est-ce qui me manquait? Une peau de sanglier. Une peau de sanglier, ok. Il me manque une peau de raton et une peau de sanglier, quoi. Tac. Au moins. Au moins, c'est dit. Bon, voilà. On va pouvoir retourner à notre quête principale. Enfin, l'une des deux quêtes principales. Par là. C'est par là. Merde, c'est pas là. Ah d'accord, c'est là. Vite, faut que je parle à Avad. Notre pote maintenant, Avad. Ah, y'a personne qui a de requête aujourd'hui. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, heureux de te voir. C'est bien triste pour Irsa. Apprendre qu'elle est en vie. La perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre, une histoire de flambée envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval, mais pour Elund le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océram ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Attends, il l'a blindé. Il a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt. Il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant, pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question. Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Ouh. Alors, je suis sûr qu'il va pas, il va pas écouter. S'il te plaît. Quand nous avons parlé... Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa, ce que je comprends très bien. Mais j'ai quand même envie de savoir. Mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Travailler. Elle n'avait que faire de la douleur. Elle pensait à son frère. Et elle pensait à vous. Merci, Aloy. J'avais besoin d'entendre que j'occupais ses pensées comme elle les miennes. Ah, ils étaient amoureux. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. J'ai pas un petit bouquin à lire, là, dans le coin ? Ça m'étonne. Il faut se méfier des marchands en Céram. Ils sont toujours prêts à escroquer les clients. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un petit bouquin, mais... A priori. Ok. Donc maintenant, on y retourne là-bas. C'est tout droit en plus. Choses.
C'est en haut ? Ouais, c'est en haut. Je cherche des aventuriers. Encore toi ? Je n'oublie jamais un visage à qui j'ai donné des éclats. Il est vert. Il est dégoûté, le gars. Ça va péter, non ? Ouvre pas, ça va péter. C'est là, Derval ? J'ai une surprise pour toi. À moins qu'il ait une surprise pour nous. C'est une bombe ? Elle est pas bien grosse. Assez pour nous tuer ? Ok, je me tais. Les gars, ça coule du plafond. Quelque chose coule du plafond. Bah oui. C'est une bombe. Et bien conçue. Si la bombe explose, cette flambée embrasera toute la ville et le ciel. Ça fait beaucoup de flambées. Je pourrais peut-être ouvrir cette fenêtre. Pour me si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit absolument empêcher ça. Ces attaches sont en bois. Pas très résistants. Et il y a Erend. Erend, il fait quoi ? Aide-moi à la sortie. Ah quand même, j'allais dire Erend qui fout rien. Tout en force, je sais faire. Quoi ? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et on va survivre ? Je pense pas. On pousse. Yes ! Comme dans les films ! C'est un. On peut-être laisser des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. C'était un leurre. Entrez dans le palais. Il est mort. Pourquoi il y avait un mec avec un casque qu'on voyait pas ? Des empreintes de pas, avec de la flambée. Pourquoi il y avait quelqu'un avec un masque et on voyait pas c'était qui ? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval ? Et... Pourquoi j'ai rien pour fouiller ou pour vérifier ? Ah d'accord, non, ça continue en bas en fait. C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh non, il a détruit le mur. Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais.
Si seulement Erend avait un... un truc comme nous qu'on a. Si seulement Erend... il avait un focus. J'aimerais bien être là-bas. D'accord. La discrétion. C'est mine de rien, on nous donne beaucoup de soins là avant d'arriver d'arriver là. Ah, mon cher Avad, le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père, alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler le Karja, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. Ah, le petit sourire. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Mesa. Non! Ça devait être un incendie, pas une flamèche de feu de cheminée. Tu vas sauver ton pote. C'est bon. Tout le monde, il a mal au bidou. Ah, faut que j'aille casser la gueule des mecs maintenant. Ça, c'est vraiment moi qui fais tout ici. Hein. Oh. C'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non? Et neutralisé ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bon ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien d'abord, puis celui d'Avad. Est-ce qu'on veut... Ah. Encore terminé, Nora. Tout bon artisan au Céram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Oh non, pas les piou-piou! Pourquoi toujours les piou-piou? Pourquoi toujours? Toujours eux. Quand une machine peut faire les choses à votre place.
Mais merde, j'ai... Bah non, j'ai... Ah, j'ai tout loupé, hein. Quoi ? Oh là là, mais... J'ai pas mis une seule flèche, hein. De une. Pourquoi s'embêter quand une machine tire les choses? Allô? Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire des choses à votre place? Un peu bugué, hein. Putain, c'est chiant. Fuck, je pouvais l'avoir avec un coup critique, évidemment. Il y a l'autre qui me tombe dessus. J'adore, j'adore. Ah ouais, trop drôle. Super. T'es bien amusé, maintenant faudrait rater. Et tombe. Pourquoi il tombe pas? Mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. J'adore. Allez, c'est rare que je les pirate, mais là... Il y a tellement plein de cul. Allez. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Il est où ce compte Derval? Ouais, d'accord, il est par terre. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il était au sol. Il y a le piou-piou dessus. J'aurais tellement préféré qu'Ersa soit là pour t'abattre. Mais je vais le faire pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Eren, tu vas échouer. Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à Primesource. Tous les clans de la Requête veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de tuer. Silence. C'est le Roi Soleil qui décidera de ton sort.
Il est cool Eren quand il est pas bourré. Ah. Parler à Derval. Il est où ? Bon, on va d'abord aller parler à Derval, non ? C'est facultatif, je pense que c'est le mieux à faire. Ah, le GPS dans le jeu là, pas ouf hein. Peut mieux faire. Hein. Quoi ? Toujours rester vif, toujours ouvrir l'œil, c'est ma devise. Ah, des bisous Bibi. Tu viens te moquer, Nora. Eh bien, comme tu crois, je suis occupé. Je vois. Tu veux me narguer ? C'est tout ? C'est tout ? Tout ça pour ça ? Salutations. Aurais-tu un moment pour parler de pêche ? Toujours rester vif. Aloy, j'étais en train de penser à Ersa. Elle aurait abattu Derval, je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir, pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais je fais de mon mieux. Et grandir, je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies, non ? C'est à moi que tu demandes. T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. Et après tout ça, quel va être le programme d'Eren de l'avant-garde ? Je vais rentrer à la requête pour un temps. Puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vraies funérailles. Bien à son image. Moins de discours, plus d'alcool. Bah non, repicole pas. Qu'est-ce que les Oseram vont faire à Derval ? Déjà, ils vont se disputer pendant un moment. Et quand ils auront décidé, il souffrira. Je vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, ça se pourrait que je passe le voir dans sa cellule pour lui rappeler ce qui l'attend. Bon. Je sais, faut que t'y ailles. Des tueurs à traquer, des machines à dompter et au pas de course. Tu sais quoi ? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. C'est vrai, t'étais un sale con. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux ? Elle m'aime bien. Ils sont mignons les deux là. Aloy, dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Tu m'as sauvé. Il ressemble tellement à Ben Affleck jeune. C'est tellement Ben Affleck jeune celui-là. Toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil sans cette horrible incertitude.
Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridian. Ah non, bah non, 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 bah non. Est-ce que Ersa et vous... Enfin... Bah ouais. Tout le monde voit bien que j'ai des sentiments... Ou avait des sentiments. Elle ne me donnait pas que des conseils. Elle me donnait de la force. Mais nous étions maudits. Les relations entre les Karja et les Océram à Méridian étaient trop compliquées. L'union d'un roi soleil et d'une guerrière Océram aurait inévitablement provoqué une rébellion en ville. Et sans aucun doute une guerre de clans. Est-ce que quelqu'un savait ? Quelqu'un, oui. Derval. Il aimait Ersa, mais elle l'avait rejeté. Et toute cette jalousie est devenue un motif supplémentaire à sa haine. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de Derval ? Pour l'instant... Il croupit dans l'un des anciens cachots sous la fosse, ici à Méridian. Quant à ce qu'il attend quand nous aurons négocié son extradition à Prime Source, je ne veux pas y penser. Mon père avait beaucoup d'imagination en matière de torture. Mais les Océram ont des instruments qui dépassent ses pires idées. Quel gâchis. Derval est un homme brillant. Ils ont, quand on a fait cramer le monde entier, en fait, finalement, on a cramé les traités de paix et tout ça, et, les accords contre la torture, a priori. Pourquoi vous voulez que je reste à Méridian ? Pourquoi on le tutoie ? Pourquoi on le vouvoie ? Pas pour moi, non. Eh bien, pour commencer, tu as évité que notre ville soit anéantie. Tu es forte, rusée et très douée. Il serait bien que j'ai quelqu'un comme toi à mes côtés. Ouais. Comme vous aviez hier ça, ouais. J'ai pas un rôle du suppléant. Merci pour cette proposition, mais... Je ne crois pas que vous ou moi soyons prêts. Du moins, pour l'instant. J'ai encore du chemin à faire avant de trouver ce que je cherche. Et ce chemin m'emmènera loin de Méridian. Bien sûr. Je ne présumais de rien. Tu es indépendante. Tout comme Ersa. Bon, est-ce qu'on a trouvé... S'il te plaît, souviens-toi que tu es toujours la bienvenue. J'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous. Et non un adieu. Et est-ce qu'il y a un mec dans le jeu qui nous a pas dragué ? C'est une faction des Karja de l'ombre, appelée l'Eclipse. Ils déterrent des machines antiques, des armes pour mieux frapper Méridian. Je vois. Ce que tu dis correspond au rapport que j'ai eu de Marad. Des Karja de l'ombre dissidents, une invasion de machines corrompues. Sais-tu quand cette attaque aura lieu ? J'en suis pas certaine. Nous nous préparerons autant que possible. Tiens-moi au courant si tu en sais plus. Ça marche, mec. On a fini cette quête là ? Bah oui. Tac tac tac. Toc toc toc. Toc toc tuc tuc. Pouet. Et bah on va s'arrêter là. Et ouais. 6000 XP. 6000. Qui fait pas des masses maintenant en fait. Hein. Maintenant qu'on est niveau 46. Oh là là, trop bien. Allez hop, je vais aller au feu. Et on va sauvegarder et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que mine de rien, il est déjà 23h. Et à un moment, il faut que je dorme. Et oui. Hop, petite sauvegarde rapide, une petite sauvegarde manuelle. Et on est bon. Des bisous YouTube, à la prochaine. On approche de la fin, hein. Ah, pas du 100%, mais on approche de la fin de, a priori, de l'histoire. Voilà, je vous fais des bisous.